Parfait. C'est ça, comme je te disais, juste peut-être me relayer questions, commentaires. C'est au moment opportun, là, tu sais, je te laisse, je te fais confiance dans ton. Ouais, en même temps, je veux pas nécessairement tout le temps couper, tu sais, fait que c'est peut-être. Ben, c'est ça, je te disais là, que tu vas le voir. Là, il y a une partie, là, la première partie, on va être, ça va peut-être être plus moi qui va prendre la parole, là. OK. Mais quand on va dans les applications, c'est possible que les gens aient des questions, puis ça sera correct, là. T'sais. D'accord. Là, Est-ce j'ai une que. heure, hein? Ouais, c'est J'ai ça. 60. De OK. 11h15 à 12h15. Est-ce qu'on laisse entrer tous les participants qui souhaitent entrer ou seulement les gens inscrits sur la liste de présence? Ben, moi, c'est pour vous. T'sais, je sais qu'il y a comme un contrôle des présences, là, mais moi, ça ne me dérange pas plus que je vais diffuser le message, mieux que c'est, là, pour moi, là. OK, parfait. J'ai pogné une petite nervosité. Ça va se placer. Ah ben ouais, on fait comme on peut. On trouve quoi 2 minutes avant? Ouais, il reste un bon 3 minutes. Moi, je vais aller continuer de laisser faire entrer les gens. Parfait. Moi, je vais être très écoutante, tu auras juste à me le dire. Je vais tout t'écouter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés dans la salle? Non. Oui. Et celle-là, maintenant, Madame. Bonjour aux gens qui sont dans la salle. Je ne savais pas, j'ai comme je viens de réaliser qu'il y avait des gens. Bonjour tout le monde. Bonjour aux gens qui se joignent à nous. Bon matin.
Tu vas me dire, Joël, quand ça va être le temps de débuter? Ben, il est 11h15. Je continue de faire la séance intelligente de toute façon. Donc, est-ce que vous êtes prête? Oh oui, mais est-ce que tout le monde est entré dans la salle? Je vois des gens dans la salle d'attente encore. Est-ce que c'est normal? Ah, non, moi, je n'ai pas personne dans la salle d'attente. Non, c'est vrai. Peut-être qu'il faut que je fasse une mise à jour. C'est bon? Ah, j'ai 14 personnes ici, qu'on me dit, dans la salle si d'attente. Si vous cochez « Afficher la salle d'attente », normalement, ça devrait être vide. Parce OK, que moi, bon. Je te laisse entre les mains. C'est bon. Alors, 11h15, on peut débuter, Joël? Tu me donnes l'autorisation de débuter? Yes. D'accord. Alors, je vais retirer l'espace écran de mon partage d'écran. Est-ce que vous voyez, Joël, quand on fait ça comme ça, tu te vois dans mon écran, hein? Oups. Pas de micro. Oui, je me vois encore, effectivement. OK, donc je vais le retirer. Bonjour tout le monde. Bien contente d'être là avec vous aujourd'hui à votre journée de Montérégie. J'ai accepté l'invitation de Karine, la chance. Donc, elle m'a fait parvenir une belle invitation pour venir vous partager un petit bout des travaux que nous menons au récit de l'adaptation scolaire. Donc, je me présente Marie-Josée Arnois. Je suis conseillère pédagogique au récit national de l'adaptation scolaire. Peut-être que vous avez connu mon collègue Jean Chouinard. Donc, je suis dans l'équipe. Nous sommes une belle équipe de deux. Donc, dans notre équipe depuis, ça fait un an. Donc, ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, en fait, c'est appuyé sur des travaux que j'avais faits avant d'arriver au récit de l'adaptation scolaire, mais je pense que ça peut être utile pour tous. Donc, au départ, vous allez le voir, là, ça va être appuyé sur la démarche TEVA, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer pour une clientèle d'apprenants de la FGA, surtout qui sont en insertion sociale. Donc, développer son autonomie à l'aide des appareils mobiles. Donc, si vous voulez accéder à la présentation, donc vous avez ici d'un côté un lien court, donc monurl.ca/13novembre2020. Donc, vous allez pouvoir suivre à votre écran en même temps. Et moi, je vous conseille peut-être de l'ouvrir si vous avez un appareil à côté, donc sûrement, parce que l'appareil, je vous ai envoyé un courriel hier parce qu'on va travailler ensemble là, sur certaines applications. Donc, ça peut être aussi aidant d'avoir la présentation à côté parce qu'on peut avoir des liens cliquables qui vont être utiles pour vous. Alors, je vais réduire mon écran un peu parce que j'aimerais bien avoir tout ça. Bon, on dirait que je ne suis pas capable d'y arriver. Alors, voilà, on va y aller comme ça. Donc, voici, avant de commencer, j'aimerais que si vous avez eu le temps de le faire, d'aller avec l'application MAPAY. Donc, on pourrait tout de suite commencer avant même de vous donner l'ordre du jour parce qu'on pourrait démarrer tout de suite l'application, puis ça vous donnerait une idée de qu'est-ce que ça peut représenter. Alors, moi, je veux vous accompagner aussi là-dedans. Donc, je vais ouvrir ici. On va faire de la magie ce matin. Oui, j'ai une petite manipulation à faire. Est-ce que, Joël, dis-moi, est-ce que tu vois mon partage d'écran avec R Server? Oui. Quand je vois l'écran d'un cellulaire, ma paye, ça compte. C'est ça, c'est en plein ça. Alors, merci beaucoup, Joël, de m'aider. Oui, je vais quitter l'application. Donc, juste vous dire, j'ai ouvert ici donc ma paye, l'application qui est téléchargée. Et ce qu'on va faire tout de suite avant de commencer, c'est que vous pouvez vous créer un compte. Mais vous pouvez aussi utiliser comme étant un utilisateur libre. Donc, si je me connecte à mon compte, par exemple, j'ai créé tout ça à l'avance, donc mon mot de passe. Ce qui est intéressant quand on se connecte, c'est qu'on peut garder les données de ça. Est correctement configuré. Donc, vous voyez, j'ai déjà deux employeurs. Donc, si on veut ajouter un employeur tout de suite, vous voyez, j'ai travaillé chez Super C. Donc, on peut rentrer n'importe quel autre nom d'employeur, disons Métro, là, pour
faire être équitable. Puis, mettons, je ne sais pas, mon taux horaire est à 10 $ de l'heure. Là. Je ne sais pas, vous trouvez que je suis peut-être bien payée. Alors, est-ce que c'est déconnecté? Alors, à la suite de ça, donc, je m'enregistre et mon métro vient d'être ajouté. Donc, je pars ça. Là, vous voyez, je fais seulement, je sais que vous ne voyez pas, hein, on dirait que c'est déconnecté. Je vais recommencer. OK, donc je retourne ici. Donc, ici, je vais appuyer sur métro, par exemple. On dirait qu'il ne veut pas quand je fais des opérations. Il suffit de cliquer sur l'employeur et je commence à travailler ou encore sur je commence à travailler chez métro. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est quand on va revenir à l'application tout à l'heure, bien, on va voir combien on a gagné pendant l'heure qu'on a passé ensemble. Donc, c'est à ça que ça sert l'application MAPAY. Mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, voilà, ça, c'est parti. Le compteur est parti. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai le goût de discuter avec vous, premièrement, c'est le contenu de la rencontre. C'est, premièrement, on va parler de mise en situation. On va commencer par des mises en situation qui vont peut-être ressembler à des situations vécues que vous avez dans vos milieux. Je veux vous parler rapidement de l'approche TEVA. L'approche TEVA est surtout pour le secteur jeune, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez retirer de cette approche-là, même si on a des apprenants de 21 ans et plus dans nos cours d'insertion professionnelle. L'approche TEVA, au départ, n'est pas faite seulement pour les personnes vulnérables, c'est fait aussi pour l'ensemble. Bien, c'est quand on vit une vulnérabilité, donc qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour développer l'autonomie et l'autodétermination. Ensuite de ça, bien, je veux vous parler aussi du cadre de référence, de la compétence. Ce que je vais présenter aujourd'hui, ça s'inscrit où dans la compétence numérique? Puis comment on peut aller mesurer aussi avec les différents outils que je vais vous présenter. Donc, comment on peut aller mesurer aussi le progrès de nos apprenants pour en lien avec l'autonomie puis en lien avec les outils qu'on va leur proposer. Et ensuite de ça, bien, une fois qu'on aura tout vu ça, toutes les applications aussi, parce que je ne pourrais pas toutes vous les présenter, là, il y en a une panoplie. Donc, avec la présentation qu'on a faite, on va revenir sur les mises en situation. Puis, on va essayer de voir par rapport aux situations, quelle est la meilleure application qu'on pourrait utiliser pour soutenir nos apprenants. Alors, outils interactifs, je veux juste vous avertir qu'à certains moments, je vais vous demander de participer dans ma présentation. Donc, je vais utiliser un tableau blanc. Donc, nous devrons sortir de cette présentation-là. Vous devrez aller sur un tableau blanc et inscrire des réponses. Et ensuite de ça, bien, avec votre appareil mobile, vous allez pouvoir expérimenter MAPAY qu'on vient de démarrer. Et ensuite de ça, peut-être avec l'application de votre pharmacie et une autre application qui est un petit bijou là, qui s'appelle SAMIC. Voilà. J'espère que ça vous convient comme contenu. Alors, mise en situation. Alors, nous allons passer tout de suite à la mise en situation. Je vais faire la lecture de la mise en situation. Voilà. Alors, il est question de Félix ici. Félix a 32 ans. Il souhaite aller vivre en appartement un jour. Il a des grandes difficultés avec l'organisation. Il n'aime pas beaucoup, pas beaucoup les changements, puis il a de la difficulté à entrer en communication avec les autres. Il vit avec sa famille en région rurale. Il n'a pas encore son permis de conduire. Ses loisirs sont principalement les jeux électroniques et le bricolage avec son père. Félix a besoin de bien connaître les lieux et les personnes avant de se sentir à l'aise dans un nouvel environnement. Tous les changements qu'il a eus dans sa vie l'ont rendu anxieux. Il utilise déjà son téléphone intelligent pour se faire des rappels concernant les tâches à accomplir. Puis, à la fin de l'année scolaire, il souhaiterait occuper un plateau de travail pour pouvoir enfin vivre son rêve. Donc, ici, avant même de vous avoir parlé des sphères de la TEVA, on va y aller avec, j'y vais avec une espèce de sondage dans vos connaissances antérieures. Donc, je vais vous inviter à aller vous connecter à monurl.ca/tableau-blanc. Donc, ici, vous allez arriver en cliquant sur l'hyperlien si vous êtes dans la présentation ou en tapant dans votre curseur. Vous devriez arriver au tableau qui est ici. Alors, je vous attends dans le tableau. Et la question que j'ai à vous poser par rapport à la situation qu'on a eue de Félix, quelles sont les sphères qui sembleraient vulnérables? Donc, vous voyez, c'est un outil intéressant aussi à travailler à distance. J'ai vu passer Benoît. Donc, vous pouvez utiliser ici
pour inscrire votre réponse, le crayon, puis seulement d'aller faire un X, ou encore le lettrage ici, le texte, puis d'écrire, mettre un X vis-à-vis la sphère que vous pensez qui est la plus vulnérable. Alors, j'attends, je regarde, quelle est votre prédiction par rapport à aux sphères qui sont vulnérables? Marie-Josée, je m'excuse, est-ce qu'on peut avoir le lien à nouveau, s'il vous plaît? Il y en a, bien je pense, sûr. Je pourrais l'écrire dans le clavardage. Oh, peut-être un peu, ça, c'est ma présentation de cet après-midi. OK, donc, monurl.ca, barre oblique, tableau blanc. Merci, Joël. Merci. Oh, on a des gens qui ont travaillé fort sur sur ma présentation. C'est normal, c'est ça que ça fait. Je vais leur centrer ici. On est-tu capable? Des fois, il y a un petit délai. Hein? Ça va? Est-ce que vous y arrivez? On a des tentatives, je vous félicite. Je me demandais si j'étais capable de... Ah oui, je vais zoomer ici. Peut-être que si je déplace vers ici... Oh, excusez, je ne voulais pas vous déranger. OK, donc on voit déjà un problème avec le transport. On doit inscrire quoi exactement dans ce tableau-là? Dans ce tableau-là, il faut seulement indiquer les sphères que vous pensez qui sont vulnérables suite à la mise en situation de Félix. Donc, on nous disait que Félix ne se déplaçait pas, il n'avait pas son permis de conduire. On a dit aussi qu'il y avait des problèmes d'organisation. Il utilisait quand même son téléphone pour faire des rappels de tâches. Oui, transport, hein, je vous ai comme donné la réponse un petit peu. Il souhaite aussi, Félix, je vous rappelle, il souhaite aller en appartement un jour. Hein? Ça fait des beaux dessins. Hein? On a dit aussi qu'à chaque fois qu'il arrivait avec des situations nouvelles, notre Félix était anxieux. Ça, je me souviens qu'on a parlé de ça. Ce que j'aime moins de ce tableau-là, c'est qu'on n'a pas d'étampe. Là. Tu sais, c'est ça qui manque, mettons, à ce tableau-là interactif. En passant, pendant que vous êtes en train d'inscrire vos réponses, je vous trouve pas mal bon. Je vais juste vous dire que vous pouvez accéder à ce tableau-là hors AWW de façon gratuite. Oups, il y en a qui ont changé de page. On va revenir à la page 1. Parce qu'on a une autre mise en situation après. Est-ce qu'on a fait pas mal le tour? Il y en a qui s'amusent, hein? Donc, soutien, accompagnement, loisirs, il fait du bricolage avec son père. Donc, est-ce que c'est une sphère vulnérable? Éducation, est-ce que c'est une sphère vulnérable? Santé, est-ce que c'est une sphère vulnérable? Parce que je vois qu'il y a moins de réponses dans ce coin-là. C'est bon? Est-ce que vous seriez d'accord qu'on revienne à la présentation? Donc, ce que je constate de vos réponses, c'est que le transport, le soutien, l'accompagnement puis l'habitation se trouveraient à être des zones plus vulnérables pour la situation qui nous occupe. Donc, moi ici, dans mon tableau, je vais mettre un X par rapport à, en résumé, les réponses que vous avez nommées. Ça va? Vous êtes d'accord avec mes réponses? Je peux poursuivre, Joël? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions en ce moment. Parfait. On fait le même exercice avec Julie. Donc, Julie, là, fermez pas votre page de tableau blanc. Là, on va aller à la page 2. OK? Laissez-la ouverte. Donc, mise en situation numéro 2. Donc, quelles sont les sphères vulnérables de Julie? 25 ans. Elle a une déficience motrice et présente également des difficultés importantes du langage. Elle vit avec ses parents et son frère aîné dans un secteur urbain. Les résidences
Leur résidence est adaptée aux besoins de Julie. Cette dernière se déplace en fauteuil roulant et elle a besoin d'assistance dans les activités de la vie quotidienne, notamment pour s'habiller pour ses soins d'hygiène corporelle. Elle utilise le transport adapté pour se rendre à son centre d'activité alors que ses parents s'occupent de ses déplacements pour les autres sorties. Julie n'a pas l'autonomie nécessaire pour demeurer seule à la maison. Les parents souhaitent que leur fille maintienne ses acquis pendant l'été. Julie est une jeune fille, une jeune femme qui aime se retrouver avec des amis et qui participe aux activités dans la mesure de ses capacités. Démontrant de l'intérêt pour l'ordinateur, elle a commencé cette année à utiliser une tablette électronique pour naviguer sur Internet. Alors, maintenant qu'on a parlé de Julie, on va aller voir quelles sont les sphères vulnérables. Alors, je vous invite à basculer du côté du tableau blanc. Merci. Donc, il y en a qui sont allés. Hey, on est meilleurs, hein? On est meilleurs la deuxième fois. Donc, quelles seraient les sphères vulnérables de Julie? Je vois qu'il y en a qui se sont mis à écrire pendant que je lisais. Je tiens à vous féliciter pour cette belle stratégie que vous avez mise en place. Donc, la santé, hein, on a dit qu'elle avait de la difficulté à se déplacer. Je vois ça. Habitation, elle habite chez ses parents. On pense que soutien et accompagnement serait une bonne idée. Hey, moi, j'aime assez ça, vous voir vous promener comme ça dans mon tableau. Là. Je trouve ça très dynamique. Éducation. Voilà. Le transport, ouais, indépendante un petit peu, hein? Voilà. Wow, super. Alors, je me permets, à moins qu'il y ait d'autres réponses à ajouter. Oups, on a eu un petit décalage. On est revenu à la page 1. OK, c'est ce qui est arrivé. OK, alors... ce qu'on dit, de façon générale, on voit que transport, il y a plus de sphères vulnérables hein, dans ce cas-ci. Donc, transport, santé, habitation, soutien, que je dirais. Éducation, on voit qu'il y a une vulnérabilité, mais je dirais que la majorité va du côté, peut-être, si j'en avais deux à retenir, là, est-ce qu'on, ben trois. Ah, c'est difficile, hein? Elles sont presque toutes atteintes. Donc, à part peut-être loisirs puis éducation. OK. Donc, ici, je reviens à ma présentation. Donc, à part loisirs et éducation, donc je vais mettre des X ici, juste pour qu'on se rappelle là, qu'est-ce qu'on a dit ensemble. Habitation, santé, on avait dit oui, hein? Non, c'était éducation qui était touchée, mais mettons que ça pourrait être un petit X qu'on mette, là. C'est moins gros un petit peu. OK. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là, mettons, que ce sont des cas réels? Mais ce qu'on a, on met de l'avant, en fait, c'est que les appareils mobiles, ce sont les cellulaires et les tablettes, pourraient peut-être venir aider ces deux personnes-là à développer leur autonomie, puis dans la mesure de leurs besoins et capacités, bien sûr. Donc, on a vu dans les mises en situation qu'il y avait quand même un intérêt pour ça. Donc, c'est aussi une raison pourquoi on va aller vers les appareils mobiles, c'est que c'est normalisant aussi de les avoir. Donc, tout le monde a un téléphone cellulaire ou presque tout le monde a une tablette, du moins chez les jeunes. Donc, est-ce que ça pourrait être un moyen qu'on utilise, non pas seulement pour le jeu, par exemple, mais ça pourrait être quelque chose qui serait utile pour développer leur autonomie? Donc, c'est le postulat que nous faisons. Alors, je vous parle rapidement de la transition de l'école vers la vie active, communément appelée la démarche TEVA. Donc, la démarche TEVA s'est faite principalement pour le secteur jeune. C'est comme ça que le ministère l'a pensé. Donc, si vous voulez voir la source, le guide pour soutenir la démarche TEVA produit par le ministère, vous l'avez ici dans l'hyperlien. Donc, en cliquant dans l'hyperlien, vous allez avoir accès à l'ensemble du document. Donc, la démarche TEVA, c'est vraiment pour faire une transition de l'école vers la vie active, donc d'aller vers la vie de jeune adulte. Et même si ça a été pensé pour nos adolescents, je crois que les apprenants qu'on a en insertion sociale, des fois, les sphères ne sont pas complètement développées. Alors, c'est intéressant de continuer à travailler là-dessus parce que
peut-être que leur courbe d'apprentissage est plus longue avant qu'ils puissent acquérir leur autonomie dans certaines sphères. Puis on le sait, là, il y en a que pour qui ça va rester, ça va stagner, puis on ne pourra pas développer plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir, pour qu'ils puissent devenir le plus possible autonomes? Autonomes et autodéterminés, bien sûr. Donc, on a le jeune avec son projet de vie. Donc, dès que, comme là, on avait, par exemple, Félix, il avait un projet de vie, lui, il voulait aller vivre en appartement. OK? Donc, ça, c'est déjà un projet de vie. Donc, au regard de son projet de vie et de ses besoins et capacités, comment on peut soutenir Félix pour qu'il puisse, avec les appareils mobiles, pour qu'il puisse réaliser son rêve? Donc, vous voyez les sphères qui sont autour. On a l'autonomie personnelle, bien sûr, le réseau social, le transport, les loisirs, la résidence, l'éducation, intégration socio-professionnelle et participation à la communauté. Alors, ça, ce sont les sphères. Donc, quand vous avez vu dans le tableau blanc, là, les six regroupements, bien, c'est inspiré de ce document-là. Donc, ensuite de ça, bien, je suis allée chercher quand même des petites définitions là, pour que tout le monde s'entende sur qu'est-ce que c'est que la démarche TEVA. Là. Donc, la démarche TEVA vise particulièrement les jeunes. Donc, on disait qu'il y avait une déficience, mais c'est pour tout le monde aussi. Donc, c'est une incapacité significative et persistante. Donc, comment on fait pour les amener justement à vivre une vie de citoyen? Donc, il faut toujours s'appuyer sur les besoins et capacités. Ça fait 4-5 fois, je le dis, depuis le début de la rencontre, mais c'est vraiment là-dessus que s'appuie la démarche TEVA pour leur permettre de les tirer par en haut le plus possible. Donc, dans la démarche TEVA, on a différentes circonstances. On peut l'utiliser dans différentes circonstances, mais compte tenu de la clientèle qui nous occupe aujourd'hui, moi, je pense que je vous ai fait des ronds rouges autour de ceux que je pense qui seraient peut-être les plus pertinents là, pour justement ces personnes-là. Donc, en prévision de tout changement important susceptible de compromettre l'intégration sociale, donc dès qu'il y a un changement, il faut soutenir ces personnes-là parce qu'ils sont plus vulnérables, plus fragiles au changement, justement. Et pour assurer une continuité des services et les maintiens des acquis pendant l'été. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des arrêts de service, même avec des partenaires des centres de santé. Donc, mais il faut maintenir, il faut continuer à entretenir les acquis pour qu'ils ne perdent pas, puis ça puisse se poursuivre. Donc, vous savez, présentement, quand on est en enseignement à distance là, avec la pandémie, le temps pour les personnes qui vivent des déficiences, par exemple, des TSA très atteints, l'arrêt scolaire, ce que ça le fait, c'est que ça prend du temps avant qu'il y ait acquis qu'est-ce qu'ils ont. Et là, avec l'arrêt scolaire, par l'arrêt de stimulation, ils ont vraiment perdu beaucoup. Donc, il faut le prendre en considération aussi dans le contexte actuel. Comment on fait pour que les acquis se maintiennent? Bien, ici, c'est marqué pendant l'été, là, mais j'avais le goût d'ajouter pendant la pandémie, mais c'est un texte officiel, là, je ne pouvais pas le changer. Donc, dans des arrêts scolaires, comment on fait pour maintenir ou des arrêts d'accompagnement de toutes sortes? Comment on fait pour maintenir tout ça? Alors, je vous ai parlé un peu de la démarche TEVA. Je pense que c'était quand même connu. Je veux vous parler aussi là, de ce que je vous présente, ça se place dans le cadre de référence de la compétence numérique. Donc, il y a 12 volets à la compétence numérique. Donc, aujourd'hui, quand on va parler d'utilisation des appareils mobiles avec des personnes qui ont des limitations, donc on va parler surtout du volet du développement de la personne et on va parler de l'inclusion et des besoins diversifiés. Donc, c'est vraiment dans ces deux volets-là que ce que je vous propose aujourd'hui, ça vient développer la compétence numérique de ces deux volets-là. Donc, autant pour l'enseignant ou l'accompagnateur de la personne que pour la personne, il y a des objectifs. Puis, on est capable d'aller voir par rapport au référentiel, de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à notre compétence numérique dans ce volet-là. Et la personne qu'on accompagne, où est-ce qu'elle se situe par rapport à ça? Donc, le premier, je vous ai mis des encadrés rouges là, pour le projet qui nous occupe ce matin. Donc, la compétence entrepreneuriale. Bon, entrepreneuriale, c'est au sens large. Là, on ne pense pas qu'ils partent en entreprise. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre comment des outils et des ressources numériques peuvent être utilisés pour entreprendre un projet. Donc, comment le numérique peut m'aider à aller de l'avant dans qu'est-ce que je veux réaliser? Donc, déjà là, juste de comprendre ça, il y en a peut-être qui vont rester là, comme les apprenants qu'on accompagne, ça se peut qu'ils restent là, mais ça se peut aussi qu'ils aillent du côté intermédiaire puis qu'ils soient capables de mobiliser les outils par eux-mêmes
puis d'être capable d'entreprendre leur projet de façon autonome. Donc, ça dépend toujours des besoins et capacités. Donc, ça se peut que ça reste débutant, puis ça se peut que certaines personnes aillent vers l'intermédiaire, mais si on a des gens qui se rendent vers le avancé, bien, on aura réalisé vraiment tout un... C'est beau, hein? On va avoir amené les gens vraiment à être compétents de façon numérique pour leur projet à eux, leur projet personnel. Donc, c'est d'exploiter des outils les plus adéquats. Donc, on implique aussi le jugement critique à travers de ça, des choix d'outils. Donc, vous comprenez, c'est possible que le jugement critique soit à travailler avec nos personnes en insertion professionnelle, en insertion sociale. T'avais-tu une question, ma belle Joëlle? Oui, je me demandais si on pouvait placer votre présentation en mode diaporama ou en tout cas de grossir un peu parce qu'on ne voit pas très bien. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous faites bien de me le dire, c'est correct. Ensuite de ça, est-ce que c'est mieux comme ça, Joël? C'est mieux, oui. Oui, bien c'est ça, en ayant accès à la présentation, là, vous allez pouvoir le voir aussi de façon plus grosse. On parle d'insertion professionnelle aussi pour reconnaître l'utilité de la mobilisation du numérique. À l'origine, on avait mis insertion professionnelle, mais moi, j'avais le goût d'aller vers socio-professionnelle parce qu'on travaillait avec des personnes là, justement qui avaient besoin de soutien de ce côté-là. Deuxième compétence que j'avais ciblée, c'est le vecteur d'inclusion. Donc, vous voyez que c'est assez intense. On y va vraiment. On est vraiment dans la compétence d'aller dans le volet de l'inclusion pour répondre à des besoins diversifiés. Puis, quand on parle d'inclusion, c'est des inclus dans la société, puis qu'ils soient capables d'être autonomes puis faire leur choix. Donc, les besoins diversifiés, je vais lire les débutants, c'est comprendre que certains besoins personnels peuvent être comblés par la mobilisation d'outils et de ressources numériques. Qu'il est nécessaire d'analyser ses besoins personnels aussi en lien avec les outils qu'on va utiliser et que c'est possible aussi qu'il y ait certaines contraintes d'accessibilité. Donc, ça l'arrive encore malgré qu'on veut le plus possible aller vers une société inclusive, bien, ça, il reste encore certains obstacles. Puis, comment on peut faire pour les contourner? Ça va? Donc, je ne vous lis pas tout intermédiaire avancé, mais vous voyez là-dedans qu'il y a possibilité de voir où est-ce qu'on peut amener les personnes le plus possible. Puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de vous dire vous, vous situez où par rapport à ça. Donc, quand on a le référentiel de la compétence numérique, bien, ça s'adresse à tout le monde au Québec. Donc, ce n'est pas seulement les élèves, ou ça peut être les enseignants ou les intervenants. Puis, ça peut être les intervenants externes aussi qui accompagnent les jeunes, les apprenants. Alors, je vous parle de quelques outils qu'on a développés dans cette perspective-là. Je pense que ça va vous intéresser. Alors, la première des choses ici, bon, je suis désolée, je vais repasser en mode édition là, parce que je dois entrer dans des documents, mais je pense que c'est assez gros. Vous avez raison, c'était petit tantôt. Donc, ici, on a créé en collaboration, comme je vous disais, je travaillais dans ce temps-là, ça s'appelait une commission scolaire. Donc, je travaillais avec la commission scolaire des Bois-Francs. Et nous nous sommes associés aussi avec le CIUS MCQ. Donc, MCQ, ça veut dire Mauricie Centre du Québec. Donc, ensemble, le scolaire et la santé se sont assis ensemble. Nous nous sommes assis et nous avons ciblé des applications qui pouvaient être utiles pour nos personnes qui étaient vulnérables. Et la beauté de ça, c'est qu'il y a aussi que les intervenants viennent aussi collaborer avec le milieu scolaire. Donc, ensemble, les gens s'étaient entendus avec les enseignants. Bien, je pense que c'est cette application-là qu'il faudrait qu'on travaille avec l'élève et du côté de l'école et du côté de la santé. Tout le monde utilisait les mêmes applications autour des enfants. On parlait d'adolescents là, dans ce cas-ci. Et bien, en fait, c'est que l'adolescent n'a pas besoin de réapprendre 56 nouvelles façons de faire. Donc, il y avait vraiment une entente là, qui avait été faite avec les partenaires du CIUS. Donc, je vous partage ici, en cliquant sur l'hyperlien, vous allez avoir accès à notre document Excel. Je vous dirais que le document, j'essaie de le maintenir à jour parce qu'il y a certaines applications qui sont mortes depuis qu'on l'a fait depuis 2017. Et ici, bien, vous avez les catégories. Donc, je vous montre juste simplement, il est possible de faire un tri, par exemple. Donc, moi, j'aurais besoin, selon le besoin, tu sais, il faut que je trouve des applications qui vont avec des activités de la vie quotidienne. Je vais aller décocher les autres sphères et je vais faire OK.
Donc, vous voyez que ma feuille Excel va se plier dans le fond, puis je vais ressortir seulement les applications qui sont en lien avec les activités de la vie quotidienne. Malheureusement, les images ne suivent pas. OK? Donc, je veux juste vous dire que c'est la seule affaire qu'on n'a pas réussi à régler comme problème. Donc, faire des tâches, une checklist, comment préparer mon horaire pour l'entretien de ma maison, ma routine d'hygiène, par exemple. Pour faire un horaire, mais avec des pictos. Donc, c'est beaucoup. Malheureusement, les titres sont en anglais, mais on finit quand même être capable de les utiliser parce qu'on les a analysés. Puis, on a pensé que ça pouvait être, tu sais, malgré que ce soit en anglais, bien, certains, des fois, sont en anglais, français, mais la langue n'est pas une barrière pour l'utilisation de l'application. Donc, ici, tout simplement, j'ai juste à recocher toutes les sphères pour revenir à mon document original, là, où est-ce que je vais toutes les retrouver. Oups, je ne l'ai pas fait comme il faut, là. OK. Bon. Alors, c'est ça. Puis, vous avez les prix aussi. Donc, quand c'est gratuit, on essayait le plus possible d'aller vers des produits gratuits. La seule chose qu'il n'y a pas dans ce document-là, ce sont les hyperliens vers les applications pour pouvoir les télécharger. C'est intéressant, non? Alors, moi, ce que je veux aussi vous dire, c'est que dans ce document-là, on essayait de le réfléchir déficience intellectuelle et TSA. Donc, on a vraiment essayé d'intégrer qu'est-ce qui pouvait répondre à ces deux catégories de personnes-là. On a tenté aussi de sortir des applications iPad, des applications Apple, parce que on sait que quand les gens... à l'école, le Apple est très, très utilisé, OK? Mais sauf que quand on sort de l'école, ça ne veut pas dire que les gens vont s'acheter des produits Apple. Ils peuvent aller vers Android ou peu importe là, la compagnie. Et il faut être capable, en fait, dans la proposition qu'on a faite, il fallait être capable d'aller autant dans une plateforme que dans l'autre. Parce que si on lui montre à l'école puis qu'on s'en va dans une autre plateforme quand il sort de l'école, ça ne donne rien. Donc, tout est à recommencer. Donc. Puis, autant que possible, je vous dirais qu'on tente, en fin de parcours de Teva, là, avant de les laisser partir là, pour la vie adulte, d'utiliser les propres appareils des élèves, donc de délaisser un peu la flotte de l'école pour que la personne puisse s'approprier son propre outil avec ses propres applications. Donc, je vous donne un peu le contexte là, de où est-ce qu'on voulait aller avec ça. Autre chose que j'ai à vous partager, c'est que la TVA, quand on est au secteur jeune, il faut les mettre dans un plan d'intervention. Donc, ce qu'on a fait ensemble, les 5 commissions scolaires de la région 04-17, on a produit un document et c'est non exhaustif, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être dans le cas par cas tout le temps. Donc, si je rouvre le document ici, que vous avez l'hyperlien dans le document, donc ce qu'on a fait, c'est que pour chacune des sphères, justement, qu'on a faites, on a placé un objectif qui pourrait être mis dans le plan d'intervention. Bon, peut-être que vous n'avez peut-être pas de plan d'intervention, mais avec le PSI, ça pourrait peut-être se compléter. Puis, en fait, le problème qu'on avait, c'est que quand on relisait les plans d'intervention des jeunes qui suivaient la démarche TVA, tu sais, les gens mettaient seulement « suivre la démarche TVA », mais il n'y avait pas fixé d'objectif par rapport à une sphère bien précise. Donc, c'est pour ça qu'on est allé faire la nomination d'objectifs pour que ça soit plus précis par rapport à chacun des besoins des enfants. Et de votre côté, ce sera des apprenants. Donc, ensuite de ça, on avait aussi proposé des moyens, puis dire qui pourrait être responsable de ça. Donc, vous voyez, par exemple, prévoir son trajet. Okay? Donc, dire, on se disait pour l'aider à... Vous allez voir, tantôt, on va le faire avec Google Maps. Donc, mais pour prévoir son trajet en évaluant la distance, est-ce que j'y vais à pied, en auto, en vélo? Donc, ça, on travaille encore la géographie puis les mathématiques en même temps. Puis, en utilisant ses points de repère, qui pourrait être responsable de ça? Ça pourrait être l'intervenant du CRDI, du CSS, là, peu importe comment ça s'appelle, mais ça pourrait être travaillé aussi avec les enseignants parce qu'ils se déplacent, par exemple, ils vont au plateau de travail, etc. Donc, ça pourrait être intégré dans la démarche d'accompagnement. Donc, vous voyez ici, nous avons mis les applications pour soutenir les moyens qui sont proposés dans le répertoire d'objectifs qu'on a mis ici.
Autre chose, en continuité avec ça, bien maintenant, on a dit, bien une fois qu'on a placé les objectifs, ce sont les enseignants qui m'ont demandé de produire ce document-là. C'était, bien, est-ce qu'on est capable d'avoir un cahier de progression? Parce que là, les jeunes, les élèves passaient d'un secteur à l'autre. Donc, vous, quand ils vous arrivent, là, par exemple, en FGA, qu'est-ce que vous savez du passé, de qu'est-ce qui a été fait avec les personnes que vous accompagnez? Bien, ce document-là servait un petit peu à ça, de communication entre les différents organismes qui tournaient autour de l'enfant. Donc, c'est une collaboration avec les enseignants, bien sûr. Ça a été produit en janvier 2019. Et je suis partie pour le récit. Alors, je n'ai pas pu faire l'accompagnement de cet outil. Je n'ai pas à savoir si cet outil-là devrait être retravaillé, mais je vous le partage quand même. Donc, on avait tout à l'heure comme objectif prévoir son trajet en évaluant la distance à pied ou en vélo. Puis là, ici, vous avez une échelle, OK? 1, 2, 3, 4. Donc, est-ce que j'en ai seulement parlé? Est-ce que j'ai seulement présenté des choses? Est-ce que j'ai modélisé comment l'utiliser? Est-ce que j'ai fait une pratique guidée en vrai? Puis, est-ce que l'élève l'utilise de façon autonome? Donc, ça permet de faire un portrait de la personne, à savoir, bien, son autonomie, sur quoi faut que je travaille, où est-ce qu'il est rendu dans le développement de cette autonomie-là. Et, bien, avec les applications, bien sûr, qu'on a, ça peut être avec des applications ou sans applications. Donc, voilà. Donc, ça, c'était comme un document. Vous pouvez l'utiliser, là, c'est du Creative Commons. Donc, vous pouvez le réutiliser si vous pensez que ça peut vous être utile. Donc, et c'est comme ça, si vous descendez le document, c'est comme ça pour chacune des sphères. Donc, pour faire les suivis là, de nos apprenants, où est-ce qu'ils sont rendus, bien, c'est bien intéressant. Alors, vous savez, tantôt, je vous ai présenté un répertoire, un répertoire d'applications, mais je ne peux pas toutes vous les présenter. Il fallait que je vous explique dans quel contexte c'était. Puis, de toute façon, il y a des coups de cœur. OK? Donc, on a des coups de cœur dans les applications. Donc, j'ai le goût de les prendre une par une, si vous voulez. Bien, pas toutes les applications, mais prendre les sphères une par une, puis vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, dans les transports, en fait, il y a deux applications qui, pour moi, sont, il y en a plus que ça, là, mais moi, pour moi, c'est celles qui sont les plus efficaces. Donc, la première, c'est sûr que si on va sur Google Maps, quand vous tapez votre trajet ici, donc vous voyez, dans l'image, peut-être que je pourrais l'agrandir, hein, n'est-ce pas, Joël? Donc, je pourrais l'agrandir et vous voyez que je vais partir de Nicolette, par exemple, pour aller à Thetford-Mines. Puis là, bien, vous savez comment ça fonctionne parce que vous l'utilisez. Mais ce qui est intéressant, une petite fonction qui est vraiment, vraiment intéressante, c'est à quelle heure je dois partir. Puis ici, bien, vous avez le choix du déplacement. Donc, tantôt, vous vous souvenez, on avait... est-ce que prévoir son déplacement? Donc, avec ça, ça nous permet de dire, bien, ouais, hein, je pense que je n'irai pas à pied, ça me prend 20 heures me rendre là. Bien, qu'est-ce que tu pourrais pas? Bien, là, me rendre à Thetford-Mines, vous comprenez que peut-être que les personnes qu'on accompagne ne se rendront peut-être pas à Thetford-Mines, mais peut-être qu'ils veulent y aller aussi. Et là, on va travailler sur la planification du déplacement. Ah, ouais, ça prend 20 heures y aller à pied, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Donc, on les accompagne là-dedans. Bien, je pourrais prendre le transport en commun. Donc, je pourrais prendre l'autobus, par exemple. Vous voyez, ça, c'est le transport en commun. Donc, j'ai un rendez-vous à Montréal. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, avec ça, ça permet de mieux utiliser son jugement critique par rapport aux moyens. Puis, une fois qu'on a dit on est allé en transport en commun, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les lignes que je dois prendre de métro ou d'autobus pour me rendre? Donc, vous voyez ici, juste à la blague, qu'à Thetford-Mines, là, de Nicolette, on ne peut pas prendre l'avion. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et l'autre que je veux vous partager, là, je sors de ma présentation parce que je veux vous présenter le transit. Alors, je vais activer mon partage d'écran ici avec ma tablette. Donc, ce que vous allez voir, ça va être ma tablette. Il est en train de se connecter, ça ne sera pas bien long. Voilà. Alors, ici, quand je vais dans mon onglet Teva, donc avec ma tablette, j'ai ici ce qu'on appelle Transit. Donc, Transit, vous avez aussi un site web et vous pouvez vous créer un compte. Ce qui est intéressant, vous voyez, bon, moi, je demeure à Nicolette, mais on va où? Donc, dans ma région, il y a déjà des données par rapport au transport en commun de Trois-Rivières. Donc, si vous êtes dans le coin de Montréal, c'est la STM en fait partie aussi de cette application-là. Donc, mettons, on va où? Bien, par exemple, je voudrais aller à l'UQTR, mettons, ou je ne sais pas, là, tu sais, bon.
à l'UQTR. Puis, ben là, ben, on me dit que ça va me prendre 19 minutes. Ou si je décide d'aller là, ben, on me dit, puis là, ben, vous voyez, là, on me dit, avec le terminus UQTR ici, il n'y a pas de possibilité d'utiliser du transport adapté pour les personnes qui ont des chaises roulantes, par exemple. OK? Donc, tu sais, ça nous permet de vraiment. Et si je trouve que ce trajet-là, j'ai à l'utiliser souvent, je peux mettre une étoile ici et ça va rentrer dans mes favoris. Donc, si j'ai à refaire ce déplacement-là, ça va être vraiment intéressant de le réutiliser en d'autres contextes. Bon, on va où? On va où? Donc, mettons, je décide de, ben là, bienvenue à Trois-Rivières. Par exemple, je veux partir du Cégep. Et le lieu, ben c'est sûr, de Nicolette, là, il n'y a pas de transport en commun, je vous le dis. Je veux partir du Cégep, puis j'aimerais ça aller au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, qui est un centre commercial. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça apparaît. Donc, le prochain départ, je dois partir dans 37 minutes. Ça va me prendre 6 minutes en rose ici. OK? Donc, vous voyez même sur la carte le trajet, à quel moment je dois débarquer. Puis, à la fin, dans ma séquence, ici, bien, je dois marcher. OK? Donc, au total, ça va me prendre 30 minutes. C'est vraiment un beau petit bijou, là. Je vous dis, si vous avez l'occasion d'aller essayer ça, bien, vous vous gardez en vélo, combien de temps ça va prendre. Donc, ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup cette application-là pour planifier les déplacements. Alors, je vais quitter la présentation ici. Arrêter la recopie. Voilà. Donc, ça, d'après moi, sont complémentaires. On pourrait les faire complémentaires. Maintenant, si on va du côté de la santé. Du côté de la santé, moi, mes coups de cœur, ce sont, il y en a plusieurs, mais ça se trouve être celles que j'aime le plus. Donc, rappel de médicaments et pilules. Donc, c'est une application où est-ce que vous pouvez programmer votre prise de médicaments. Et vous savez que dans cette application-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut introduire là-dedans, on peut ajouter des intervenants, par exemple, comme l'infirmière ou le médecin ou le pharmacien peut faire partie, ça peut être partagé. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à savoir, est-ce que la personne, tu sais, on a un intervenant externe, à savoir, est-ce qu'il a pris bien ses médicaments, bien, il y a possibilité d'aller en interaction avec ça. Toute ma tête, peut-être que vous le connaissez, c'est pour la santé mentale. Donc, comment je vais? On est dans la santé émotionnelle. Je ne sais pas si je peux, je vais encore vous le partager parce que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Donc, toute ma tête va permettre de faire un journal de nos émotions. Par exemple, aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens stressée, mais on va essayer, on va demander, par exemple, pourquoi tu te sens stressée? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui pour que tu te sentes stressée? Et ça fait... en fait, bon, comment je me sens? Donc, vous voyez, c'est une roulette comme ça. Je me sens quand même détendue, OK? Et je vais écrire ici qu'est-ce qui a précédé cette émotion. La limite, je trouve, là-dedans, c'est que si on est non lecteur, non scripteur, bien là, ça prend de l'aide. OK? On ne peut pas le faire tout seul. Fait que je le sais, on parlait d'autonomie, là. Donc, ça, ce bout-là, là, pour moi, ça me plaît moins. Fait que, tu sais, mettons, j'écris juste n'importe quoi dans le fond. Puis, je pourrais ajouter une photo aussi de ma situation. Donc, est-ce que vous voulez avoir des conseils? Fait que si, en plus de ça, bien, ton esprit, ton corps, puis là, bien, c'est ça que je vous disais, là, la partie non lecteur, puis on nous donne des petites indications là, pour nous aider. Puis, on a le journal de la semaine. Comme je vous disais, on est capable de faire un journal des différentes émotions que tu as vécues tout au long de la semaine. Quand je vous ai écrit, j'aurais aimé ça que vous alliez voir aussi dans l'application de votre pharmacie que vous utilisez. Donc, où est-ce que vous allez? Parce que là-dedans, vous pouvez faire le renouvellement de vos prescriptions aussi, puis vous pouvez poser des questions directement à votre pharmacien. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser les applications des pharmacies. Et là-dedans, ben, vous prenez les médicaments sont rentrés, vous pouvez les rentrer dedans. Donc, seulement avec une photo de la prescription. Donc, déjà là, c'est aidant. Tout ça, c'est sûr qu'il faut encadrer peut-être la personne au début, mais après, ça rend la personne autonome une fois que l'application est démarrée puis qu'on sait comment l'utiliser. Il y a rapidement, je sais que je finis à midi et quart, hein, Joël? C'est
exact. 15 à midi 15, qui reste un beau 15 Dieu, minutes. Oui, mais j'ai plus de stock que ça. Fait on que, peut faire bon, la discussion s'il y en a qui ont envie de rester. Oui, c'est ça. Mais, je vais essayer d'être concrète. Alors, donc, avec les applications de pharmacie, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, de l'essayer, puis de voir où est-ce que jusqu'où on peut aller avec ça. Mais je dois vous dire que dans toutes les applications que je vous présente, il y en a plusieurs là-dedans que moi-même, j'ai utilisé dans ma routine parce que je trouvais que c'était trop aidant pour mon organisation à moi. Alors, ensuite de ça, si je passe à l'autre, qui est l'habitation et le logement, ben ici, je vous ai mis un tutoriel. OK? Par exemple, vous cherchez des recettes. Tu dis, ah, je l'ai aimé cette recette-là. Mais comment je peux faire pour les mettre en mémoire dans mon furteur? Donc, ici, il y a un tutoriel qui a été fait pour les personnes. Justement, c'est fait pour une clientèle d'adaptation scolaire. Donc, si j'utilise Chrome, comment je peux faire? Si j'utilise un autre Edge, par exemple, ben, je pense que je ne l'ai pas mis dedans, mais si c'est Chrome, si c'est Safari, si c'est Firefox. Donc, là-dedans, on a mis tous les furteurs pour savoir comment je pourrais organiser mes recherches sur le web. Puis, les exemples qu'on a donnés, c'est comment je pourrais faire un répertoire de mes recettes préférées que j'ai trouvées sur le web. Le rappel des tâches ménagères, on l'a vu tantôt dans le répertoire. Ici, je vous pensais, OK, bien, si vous allez sur Android, l'application est en anglais. Mais c'est vraiment très, très intéressant à utiliser. Moi-même, je vous le dis, là, il y a des applications là-dedans que j'utilise au quotidien. Donc, dans mon étiquette, par exemple, on va dire, bien, j'ai un pantalon, j'ai une tache, par exemple, sur un pantalon de coton. Comment je dois faire pour le nettoyer? Donc, je vais aller rapidement. Je veux tout vous montrer, c'est ça l'affaire. Ce ne sera pas bien long. Cette attente est bien involontaire de notre part. Et ici, InfoChim, en fait, c'est la chimie. C'est que vous avez tous les symboles dangereux aussi. Donc, c'est quelque chose à avoir dans son application, dire, bien, je ne me rappelle pas qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là. Bien, ça veut dire que c'est poison, par exemple. Donc, ça, c'est une place où est-ce qu'on peut consigner rapidement dans un téléphone, où est-ce qu'on peut, ma tablette refuse d'obtempérer, là. Donc, ça aussi, c'est vraiment une belle application pour la sécurité et pour les aliments aussi. Bon, je suis désolée, là, mon application, ma tablette, elle ne veut pas, là. Bon, alors, je vais continuer. Alors, ici, on avait ma paye. Donc, ma paye qu'on a partie en début de rencontre, je ne sais pas si vous allez l'ouvrir, cette paye-là, cette application-là, allez le réouvrir si vous l'avez partie. Et là, bien, disons qu'on a fini de travailler. Alors, j'ai fini de travailler, je fais juste appuyer sur le bouton. Puis, on me dit que j'ai travaillé 42 minutes de 11h20 à 12h03, par exemple. Et là, par exemple, là, c'est un horaire qui va bien. Mais si je vais dans un autre compte que j'avais fait et j'avais oublié d'arrêter de travailler, donc ça faisait 2 jours que mon application roulait. Et là, ben, j'ai une notification qui va m'arriver. Tu as droit à des pauses. Donc, on donne des indications par rapport au travail pour la santé, sécurité au travail. D'ailleurs, c'est appuyé par la CNESST, cette application-là. Et ça permet aussi de soutenir les personnes à savoir s'ils ont été payés équitablement par rapport aux heures qui ont été faites. Donc, ça, ça peut être utile pour justement les amener à développer leur autonomie par rapport à l'emploi ou au plateau de travail, par exemple. Mais on peut faire des simulations avec eux, dire, bien là, si vous êtes en cuisine, en atelier de cuisine, bien, si vous travaillez en cuisine, on va partir ça, on va voir. Mais si tu avais été vraiment en travail, voici le nombre d'heures que tu aurais fait puis combien tu aurais gagné si tu l'avais fait. Puis après ça, on repart avec notre budget puis on dit, bien, voici qu'est-ce que tu aurais pu faire avec cet argent-là aussi. Donc, vous voyez, il y a possibilité de l'intégrer dans une démarche pédagogique pour développer l'autonomie pour en contexte réel quand on va tomber dans la vraie vie.
Et c'est une belle application, malheureusement. Il y a une version gratuite avec laquelle on peut travailler. La version payante est quand même pas chère, mais habituellement, je recommande plutôt les versions gratuites. Donc, ici, c'est une calculatrice qui est en base 60, donc au lieu d'être en base 10. Donc, c'est pour calculer le temps. Moi, je dois vous dire, entre autres, pour mes déplacements, entre autres, savoir combien de temps ça me prend, à quelle heure faut que je parte. J'utilise Google, bien sûr, mais je peux aussi utiliser cette application-là qui est vraiment un petit bijou. Moi, depuis que j'ai découvert ça, là, de toutes les applications que je vous présente aujourd'hui, cette application-là, c'est vraiment celle que je préfère, qui est vraiment intégrée dans ma vie de tous les jours. Sectograph, vous allez l'avoir dans le tutoriel qui est ici. Parce que Sectograph, c'est une application qui est seulement sur Android, cependant, mais se synchronise, par exemple, avec votre agenda Microsoft et ou votre agenda Google. Donc, c'est possible de synchroniser avec vos comptes. Et là, j'espère qu'il va vouloir partager. Bon, vous voyez donc Sectograph, j'ouvre mon application. Donc, ce qui est intéressant avec Sectograph, c'est que ça fait un graphique de ton occupation de la journée. Donc, vous voyez aujourd'hui, là, je suis avec vous de 11h15 jusqu'à 12h15. Après ça, vous voyez, j'ai mon heure de dîner. Puis après ça, il faut que je me connecte à 1h50 pour faire une autre animation à partir de 2h50. Donc, chaque jour, c'est comme ça. Donc, si je recule hier, ici, c'est-à-dire... Ah oui, c'est vrai, ça, c'est mon écran. Il faudrait que je recule dans mon... ici. Donc, vous voyez ici, rencontre pour ci, rencontre pour ça, ma coiffeuse. Donc, je suis allée chez la coiffeuse à 4h30. Donc, ça permet de visualiser mon horaire du jour. Donc, c'est vraiment accessible, je dirais. Puis, ça permet de contrôler peut-être l'anxiété de notre occupation du temps. Donc, ça, c'est vraiment aussi un petit bijou pour les personnes qui ont besoin de visualiser. Ça devient vraiment concret. Là, je pensais aux personnes, peut-être, je sais qu'il y a certains autistes là, qui ont besoin d'avoir de façon visuelle la planification de leur journée. Alors, ça, c'était sur mon téléphone. Là, vous voyez, mon téléphone fonctionne, ma tablette ne veut pas. Donc, ici, comment travailler avec mon agenda? Vous avez un tutoriel ici. Donc, c'était fait encore pour des jeunes de FPT. Donc, il y a possibilité de le réutiliser pour votre clientèle. Ensuite de ça, c'est ça. Donc, ma paye, ça, c'est fait. Hey, il me reste encore un petit peu de temps. Je vais essayer. Je m'excuse, je vous défile ça, mais c'est vraiment des outils. Ça vaut la peine d'en parler. Si on tombe dans les loisirs, bien, c'est sûr que le téléphone nous offre une panoplie de choses qu'on peut faire. Des loisirs, on a plein sur le téléphone, dont les jeux vidéo, entre autres. Mais si on veut que notre téléphone cellulaire soit un tremplin vers d'autres activités culturelles, par exemple, bien, il y a le Allo Ciné. Donc, on est capable de voir quels sont les horaires de cinéma. C'est sûr qu'en contexte de pandémie, cette application-là n'était pas très utile. Le Yelp, qui est très intéressant à savoir, bien là, je suis ici. Par exemple, moi, je l'ai utilisé, j'étais à Montréal. Et Yelp, je me cherchais un restaurant pour savoir où aller souper. Donc, avec Yelp, par rapport à ma situation géographique, il m'a donné la liste des restaurants qui étaient à proximité. Puis, en plus de ça, bien, on nous donne l'itinéraire pour se rendre. Donc, à proximité, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est intéressant. Participation, ça fait longtemps. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, là, on en parlait beaucoup de participation. Bien, avec le site web, vous pouvez aller voir le site web aussi, mais avec l'application, imaginez-vous donc, on est capable d'avoir des rappels de pauses actives. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu sais, tu peux programmer tes pauses actives, dire, bien là, il faudrait que je bouge à telle heure, à telle heure, à telle heure. Bien, ça, c'est intéressant parce que là, ton téléphone va sonner et dire, bien là, tu as assez travaillé assez, il faut que tu bouges. Et ça donne en plus plein d'activités à faire qui sont faciles et accessibles. Il y a tout le volet musique aussi là, qu'on a sur le téléphone cellulaire qui peut être intéressant. C'est sûr qu'il faut faire attention aussi, il faut exercer un peu notre jugement parce que si on s'en va sur YouTube, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de les jeunes sont beaucoup branchés là-dessus, donc il faut exercer une certaine vigilance aussi par rapport au contenu là, qui pourrait être accessible pour eux. Soutien et accompagnement, bien, je vous avais demandé de télécharger SAMIC.
Donc, Samic, c'est vraiment une application de ressources. En fait, c'est quelles sont les ressources que vous avez à proximité, pas loin de vous. Donc, c'est une application québécoise, imaginez, c'est vraiment super. Donc, quand on rentre dans l'application, donc vous voyez, il y a un répertoire. Encore là, c'est encore une limite. Ça a été fait pour venir en soutien, cependant, je trouve qu'ils n'ont pas pensé au non-lecteur puis au non-scripteur dans l'application. Donc, ça, c'est la limite que je mettrais. Si, par exemple, n'importe lequel, là, mettons qu'on a besoin, on parle d'itinérance, bien, quand j'appuie sur l'itinérance ici, bien, j'ai l'ensemble des ressources, mais je pourrais utiliser, vous voyez, le petit point dans le bas ici, là, le petit point de localisation, bien, en plus, j'ai une carte qui me dit où est-ce que j'ai des services, des organismes qui sont disponibles pour moi pour me soutenir en itinérance. Donc, si j'agrandis ma carte, vous voyez, dans le coin de Sherbrooke, dans le coin de Montréal. Donc, en appuyant sur l'application, on me donne les coordonnées pour soutenir les personnes. Donc, c'est vraiment une belle application de ressources, mais il faut absolument que l'organisme se soit inscrit dans l'application pour être là. Donc, si je vais dans le répertoire global, vous voyez, Équijustice, donc tous les organismes d'Équijustice sont entrés dans cette application-là. Ça va? Oh, on dirait qu'il y a une erreur. Ça va? OK. Je poursuis. Donc, n'oubliez pas que dans le téléphone aussi, on peut faire une liste de contacts personnels de mettre dans les favoris, donc de les mettre en haut pour si la personne a besoin de nous rejoindre rapidement, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Il y a presque toujours l'appel d'urgence sur tous les téléphones. Donc, ça, je pense que c'est une fonction qui peut être très utile pour nos personnes vulnérables. Et vous avez l'application Plus Fort. Plus Fort encore, c'est une application québécoise qui est disponible seulement sur Apple. Sur Plus Fort, vous allez voir, ça concerne l'intimidation. Donc, si tu vis des situations d'intimidation, qu'est-ce que tu dois faire puis à qui tu peux parler? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il me reste 3 minutes. Hein. Je voulais revenir sur les mises en situation. Maintenant que je vous ai parlé de ces mises en situation, de tous les outils qui existent, mettons qu'on prend Félix, OK? Donc, Félix souhaite d'aller vivre en appartement. Tu sais, qu'est-ce qu'on avait dit donc déjà par rapport à Félix? On avait ciblé des sphères qui étaient plus vulnérables, par exemple. Bon, tiens, je vais revenir avec ça. Donc, on avait ciblé la cible du transport, du soutien et de l'accompagnement. Donc, dans ce que je vous ai présenté, moi, ce que je fais, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, là, j'aurais aimé mieux vous entendre parler, là, mais dans le transport, vous voyez, peut-être avec l'application Transit, c'est peut-être quelque chose qui pourrait l'aider. Par rapport à l'habitation, bien, on a des routines à installer aussi qu'on pourrait faire avec des tâches qu'on pourrait installer dans l'application des tâches. Le soutien et l'accompagnement SAMIC pourrait peut-être venir l'aider aussi, puis peut-être de mettre les numéros des personnes le plus proche à qui ils pourraient contacter rapidement s'ils ne se sentent pas bien, tu sais, mettons, s'ils se sentent anxieux, tout ça, bien, c'est des numéros peut-être à mettre, à épingler dans son téléphone qu'ils pourraient appeler rapidement. Même chose, mettons, qu'on regarde Julie, bien, Julie, elle était handicapée aussi, donc avec notre transit, bien, on était capable de savoir si on avait du transport adapté, autre que ses parents, par exemple. Pour l'habitation, bien, c'est sûr que là, elle vit encore chez ses parents, puis bien, pour l'instant, ça ne faisait peut-être pas partie de son projet. Pour sa santé, bien, la prise de médicaments, tu sais, le petit peu qu'elle est capable de faire, là, on va lui mettre entre les mains, puis qu'est-ce qu'elle est capable de gérer, on va lui laisser aussi. Donc, même chose pour soutien et accompagnement, donc de mettre à proximité les numéros qui peuvent vraiment l'aider. Alors, je retourne un petit peu plus bas parce que je sais qu'il me reste seulement qu'une minute. Je voudrais terminer avec cette belle conclusion. Donc, de Maria Montessori qui nous dit « L'essence de l'indépendance est de pouvoir faire quelque chose pour soi-même. » Donc, c'est d'amener tout ça, l'intention de ça, c'est d'amener nos personnes qui sont plus vulnérables, de faire les choses pour soi-même et par soi-même, par eux-mêmes. Donc, j'espère que ça vous a outillé. Je sais que ça a été feu roulant. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là.
Moi, je veux juste vous dire que si vous n'avez pas eu assez ou vous voulez en avoir plus ou plus de précisions sur pour aller plus loin, ben je vous donne mon adresse courriel que vous pouvez utiliser. Et ben on a notre site leuristas.ca qui peut peut-être vous outiller dans ce que vous voulez faire. Nous sommes présents sur Facebook et sur Twitter. Maintenant, je sais aussi que vous avez une appréciation de l'atelier à faire, donc à l'adresse monurl.ca, JPM2020 Eval, ou encore vous pouvez utiliser le code QR. Joël, j'ai-tu bien fait ça? Ça ressemble à ça. Des bons commentaires. En tout cas, les gens sont contents. Belle présentation, merci. Donc, tant mieux si ça vous a plu et ça répond à des besoins. Oui. Merci, oui, puis n'hésitez pas si vous avez d'autres idées ou, tu sais, il y a des choses que c'était pas assez clair parce que c'était trop rapide, là, on peut prendre le temps dans le après-colloque, si vous voulez qu'on jase de ça. Il y a des gens qui ont demandé si c'était possible qu'on ait accès à la présentation PowerPoint, ou bien, je pense pas que c'est un PowerPoint, là, mais bon, la présentation totale, si on peut l'envoyer en fichier joint, je sais pas trop comment ça fonctionne avec la suite Google, là. Avec la suite Google, c'est un hyperlien, en fait. C'est le lien qu'il y a ici, là. Je ne partage plus mon écran. Moi, c'est mon URL.ca 13 novembre 2020. Donc, ça, oui, tout à fait. C'est en Creative Commons, hein, si vous voulez l'utiliser puis le partager avec d'autres, là, il n'y a pas de problème avec ça. T'es-tu correct, Joël, pour l'adresse? Je vais la chercher, monurl.ca/. Après ça, c'est okay. Tout en chiffre 13. Ah, t'as peu, je vais te le mettre dans le clavardage. OK. C'est une bonne idée, hein? Question des enregistrements, des gens qui questionnent aussi pour l'enregistrement. En fait, oui, les ateliers qui sont enregistrés vont être rendus disponibles là, dans les quelques jours qui suivent, j'imagine. On vous serait mis au courant là, si vous souhaitez revoir la présentation parce qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes. Oui, il y avait vraiment beaucoup d'informations. Puis je veux juste vous dire que de notre côté, dès qu'on l'aura sur le récit récitas.ca, ça sera déposé aussi. Puis Marie-Josée vous a remis l'URL pour accéder à sa présentation dans le clavardage. Bien, j'espère que ça vous a aidé pour aider. Donc, c'est ça qui était l'objectif. Puis, je vous souhaite une bonne fin de colloque. Merci beaucoup pour vos commentaires. Oui, c'est utile, hein? Mais je vous dis, tu sais, on le pense pour nos élèves vulnérables, mais moi, je vous dis là que je les ai utilisés pour moi. Tu sais, c'est devenu comme intégré parce que j'ai eu à travailler là-dedans, il fallait que je les essaie. Puis c'est devenu comme partie intégrante de ma routine. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres commentaires, bien, je vous souhaite une bonne fin de calotte puis un bon dîner aussi. Ça m'a fait plaisir, hein? Désolée pour l'interaction qui n'était pas très verbale, mais on se reprendra bien une autre fois. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci, Cathy, pour le petit pouce.